Un nouveau lieu de culture à Sarreguemines. Ce local situé rue de la Montagne, à deux pas du centre-ville, accueille désormais l'association Castel Coucou. Elle existe depuis plusieurs années et était initialement installée à Forbach. L'espace d'art contemporain accueillait les artistes et des expositions au sein de la synagogue de 2015 à 2021. La municipalité a du jour au lendemain demandé aux équipes de quitter les lieux. Elle cherchait depuis un nouveau local pour promouvoir la culture. C'est désormais chose faite dans la cité faïencière. C'est aussi de nouvelles rencontres avec un nouveau public et on va plus là développer le lien aussi avec Sarreguemines, avec Saarbrücken, le lien transfrontalier là, sur cette nouvelle programmation, sur cette nouvelle saison. Pour la renaissance de l'association, une première exposition a été inaugurée, celle de l'artiste sculpteuse et céramiste Cécile Meynier. Elle a présenté une performance en direct aux premiers visiteurs. La mondialité, c'est l'univers. Ensemble, aujourd'hui. Son exposition sera visible jusqu'au 19 novembre. Le Castel Coucou va d'ores et déjà lancer d'autres projets, notamment ses ateliers Les Petits Coucous pour les enfants de 7 à 12 ans. C'est une artiste de Saarbrück, Antonia Stacken-Kotter, qui va réaliser les ateliers. Cette artiste a une pratique de peinture et de bande dessinée. Donc ce sera un peu voir comment le médium de la bande dessinée peut être élargi en fait, donc à la peinture, à la vidéo. Résidence d'artistes, ateliers en milieu scolaire, exposition, le Castel Coucou réserve encore bien des nouveautés à Sarreguemines. L'espace d'art ouvre ses portes du mercredi au samedi de 14h à 18h.